Les chlamydiées c'est des bactéries intracellulaires strictes, c'est-à-dire qu'elles ne poussent qu'à l'intérieur des cellules. On distingue différentes espèces de chlamydiae, par exemple Chlamydia trachomatis, qui cause la cécité de par le monde, et également qui cause l'infertilité chez les femmes. On distingue également une autre espèce bactérienne qui s'appelle Vadlia, dont on a découvert ici à Lausanne qu'elle pouvait engendrer la fausse couche en induisant une infection au niveau du placenta. Important de les faire pousser, de les multiplier. Pour ça, on utilise la culture cellulaire, c'est-à-dire des cellules, des cellules humaines, des cellules d'amibes, des cellules d'insectes, d'otiques, de papillons ou de poissons. Une fois qu'on a les bactéries qui ont poussé dans les cellules, on peut regarder leur interaction avec les cellules et également où elles se localisent, dans quels compartiments. Pour ça, on peut utiliser la technique d'immunofluorescence. Ensuite, on veut aussi étudier l'ADN de la bactérie. On va essayer d'amplifier l'ADN, de le séquencer, on peut faire même l'ensemble du génome des chlamydiés et tout ça nous apporte des connaissances importantes pour mieux comprendre comment elle fonctionne, comment elle se comporte. Nous avons découvert que Valia possède une enzyme qui lui confère donc une dangerosité plus importante puisque les globules blancs ont de la difficulté à l'éliminer. Nous avons également étudié la division de cette bactérie, ce qui nous a permis d'identifier des cibles pour de nouveaux traitements qui à terme pourraient réduire finalement les, le rôle dans la fausse couche. Et puis enfin, nous avons découvert différentes nouvelles espèces, pas seulement donc les chlamydia classiques, mais des bactéries qui ressemblent aux chlamydia, comme Estrella losanensis, qui porte le nom de lausanne. Et cette bactérie, on ne sait pas encore... Quel rôle elle cause dans les maladies humaines, mais on suspecte qu'elle pourrait jouer un rôle dans les infections respiratoires.